Le petit arbre, ou l'arbrisseau, hein, que nous avons l'avantage de vous présenter maintenant, c'est celui que vous voyez ici. Hein. Il s'agit de Guira senegalensis, un arbrisseau qu'on peut trouver souvent en buisson, mais aussi très fréquemment le long de route. Hein. Et d'ailleurs, quand c'est très abondant à un certain endroit, les populations locales se basent parfois là-dessus pour dire que c'est un endroit où il y a un surpâturage, c'est-à-dire qu'il y a trop d'animaux qui passent, donc ce qu'ils laissent derrière, c'est vraiment ça seulement. Donc c'est souvent sur des sols pauvres, en fait, et on le trouve, c'est assez répandu, hein, en Afrique, on le trouve depuis le Sénégal jusqu'au Cameroun, en passant par le Soudan. En ce qui concerne la hauteur, hein, on peut voir que, si on prend l'exemple que nous avons ici, hein, nous avons de l'ordre de 1,60 m, hein, de hauteur sur ce pied. Mais généralement, ça ne va pas dépasser 3 mètres. C'est vraiment un arbuste. Hein, et le tronc, il va être souvent ramifié très rapidement depuis la base. Même si c'est vrai que bon, celui-là, il n'est pas tellement ramifié en fait. On peut trouver des tiges graissées, relativement seules. À ne pas confondre d'ailleurs avec ce qui est de Hyptis suaviolens qui est à côté. Donc je fais abaisser ça un peu. Hein. Donc on peut regarder comment est structuré le tronc. Hein. Voilà, c'est, quand c'est âgé, c'est plus ou moins couvert d'écailles là. Hein. Bon, c'est assez friable d'ailleurs. Hein. Et quand on monte vers le haut, on peut constater que sur les jeunes branches en particulier, donc les jeunes rameaux, ben ça a tendance à s'effilocher, hein, l'écorce, et la couleur devient, disons, sur les, dans les creux, ça reste couleur grisâtre, comme sur, sur les écorces plus âgées, et tandis que les fibres qui portent, qui sont en élévation donc sur le rameau, ces fibres-là tendent vers une couleur plus ou moins marron, marron clair. Alors, le fait que ça se soulève comme ça, on dit que ça s'effiloche. Là. On peut voir là, hein, on dit que ça s'effiloche. Alors, maintenant, si on regarde les feuilles, notamment prenons ce jeune rameau, nous pouvons constater que les feuilles sont des feuilles opposées. Là, deux à deux, sont face en face. Mais ça peut être légèrement décalé, hein, donc on dit subopposé en ce moment. Hein, voilà. Quand on regarde le limbe même de la feuille, hein, qu'est-ce qu'on constate? À la base ici, du limbe, on peut voir que c'est légèrement rentrant, on dit que c'est cordé. Et, tandis qu'au sommet, on voit qu'il y a une sorte de petite aiguille de pointe qu'on appelle mucron. Et les nervures ne sont pas très visibles au dos. Hein. Or, généralement, les nervures sont saillantes, à part la nervure principale qui est là, qui est assez visible. Et sur la face supérieure, on peut les compter quand même si c'est assez évanescent. Les nervures secondaires, il y en a combien de paires là? Une paire, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Sans doute, on peut avancer un chiffre entre 5 et 8 paires de nervures secondaires. On voit que la face qui regarde vers le ciel est un peu vert foncé, tandis qu'au dos, c'est un peu vert clair. Quant aux dimensions maintenant, la largeur, là, elle est de l'ordre de, disons, 2,5 cm sur cette feuille qui est pleinement développée. Et là, sur la longueur, on a environ 5 cm. Et la forme, on peut la voir, elle est généralement ovale, mais sur certains pieds, c'est plus ou moins arrondi, hein, la forme de la feuille. On voit que les pétioles sont assez courts. Hein. Si je prends cette feuille, hein, on peut voir pétiole de l'ordre de combien? C'est l'ordre de, on va dire combien? 2 mm? 3 mm? Donc en général, ça va être des pétioles relativement courts. Maintenant, les fleurs apparaissent en boule, en capitule. On peut voir sur ces boutons de fleurs là, qui sont plus ou moins sphériques. Donc je prends ce rameau, on voit les boutons de fleurs qui sont là.
On voit les boutons de fleurs là, 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 là. Et on voit que ces boutons apparaissent sur des pédoncules qui sont relativement courts aussi, l'ordre de 5 mm, hein, on va dire. Là, on peut dire que c'est des inflorescences en capitule, donc il y a des boules qui se forment et les éléments de la fleur vont s'implanter, vont s'enraciner en quelque sorte à l'intérieur de cette boule. Hein, on voit l'enveloppe externe ici, là, donc le calice, hein, qui est formé, disons, des sépales. On peut en compter combien? Un, si on regarde les divisions qui sont nettement visibles, hein, on peut compter 1, 2, 3, 4 éléments. Donc, et quand la fleur va s'ouvrir, ça va être encore plus manifeste. On va voir recroquevillé à la base, donc, ou du moins au sommet du pédoncule, on voit il y a une paire de sépales ici et une autre paire de sépales ici. Parfois, ça va se séparer. On verra donc à la base 4 sépales. C'est des fleurs très jolies, jaunes, qui ont un parfum d'ailleurs assez agréable, surtout quand on vient les après-midi, où la température a commencé à baisser, et donc il y a ce parfum léger qui se répand dans l'air. On peut prendre les dimensions hein, de ce chevelu, cette masse d'étamine, hein, le diamètre est d'environ 1 cm et demi, hein, c'est-à-dire 15 mm. Bon, on voit donc le chevelu assez abondant qui va se différencier après. On voit sur cette fleur hein, qui a commencé, qui a été fécondée, donc les fruits ont commencé à se former. On voit que la masse quasi uniforme d'étamine là va se subdiviser en fait. Il va avoir des blocs, ça va se regrouper autour de. En fait, en réalité, il y a plusieurs pistils hein, qui sont là. Donc il y a plusieurs organes femelles en fait, pistils et ovaires, et donc il y a un groupe d'étamines qui va se rassembler autour d'un pistil, un autre groupe, un autre groupe, un autre groupe. Donc, ce sont ces différents groupes qui, en se développant, vont donner le fruit lui-même, qui est là donc, qui est un fruit akène, qui a plusieurs bras, une sorte d'étoile, mais le nombre de bras, d'ailleurs on peut en donner une dimension d'abord, celui-là n'est pas pleinement développé encore, ça fait déjà 1,5 cm, donc 15 mm. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, provenant donc de groupes associés étamine plus pistil. On peut voir sur cet autre élément, hein, le nombre de fruits formés, c'est très variable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et donc il y a certains éléments, certains groupes, disons, d'associations étamine-pistil qui vont regresser, qui ne vont même pas se développer. Voilà pourquoi ce nombre très variable. Et on peut regarder les fruits, ils ont une sorte de poils, hein, déjà argentés, très jolis. Hein, et donc ça va se développer avec cette couleur argentée qui va devenir plus ou moins jaunâtre à maturité. On peut voir un fruit un peu plus développé. En prenant ailleurs, par exemple celui-là, hein, c'est un peu plus développé. Et là, on a des longueurs de l'ordre de combien? Déjà, ça atteint presque 2 cm hein, de longueur. Alors, donc, ce sont des fruits secs, akènes on dit, donc c'est-à-dire que ça ressemble à des graines, mais qui sont libres, et dont les éléments vont être formés, comme on voit ici, complètement libres. Et donc, ça, un peu plus tard, ça va donner. Bien entendu, les graines qui sont à l'intérieur que l'on peut utiliser. Mais on peut prendre le diamètre hein, de ce groupe élargi. Hein, d'un bout à l'autre, ça fait facilement d'aller 4 cm de long, de diamètre. On peut nous-mêmes participer à la multiplication de cette petite plante, hein, surtout que la fleur a une odeur très très agréable. Alors, Guéra sénégalensis, beaucoup, beaucoup d'applications, notamment en termes de phytothérapie. Mais nous allons lister cela à la fin de la vidéo. Pour l'instant, peut-être on peut donner quelques noms. Au Mali, par exemple, les Bambara vont l'appeler Nkundje. Hein, et de même que les Malinké, d'ailleurs, qui vont dire aussi Nkundje. Hein, Nkundje. Ou bien encore Kakalan. Kakalan.
Alors, quand on va au côté, du côté du Burkina Faso, eh bien, les Djoula vont l'appeler aussi Koundié, hein, Koundié. Et tandis que les Mossi du Burkina vont l'appeler Wilimwiga, Wilimwinga. Ou bien encore, il y en a qui l'appellent Garenwiga. Maintenant, en Côte d'Ivoire, eh bien, dans la langue des Malinké là-bas, ils vont l'appeler Koundié-Bé. Hein, Koundié-Bé. Tandis que en Guinée, en Poular, ils vont l'appeler Guélodi, ou bien Yéloké. Et les peuls du Sénégal vont l'appeler Dierlogal, ou bien Ngueloké, qui ressemble beaucoup au peuple de la Guinée d'ailleurs. Tandis qu'au Sénégal, toujours, hein, dans la langue des Wolofs, ils vont l'appeler Nguer. Nguer. Au Togo, en Nanoufo, on va l'appeler Kahang Banyawa. Kahang Banyawa. Au Bénin, eh bien, les Fon vont l'appeler Linkon. Linkon. Disons qu'en Djerma, que l'on trouve beaucoup au Niger, eh bien, ils vont l'appeler Sabara. Sabara. Bon, donc voilà, c'est quelques noms que nous avons tirés de la littérature. Mais donc, nous allons lister les usages en herboristerie à la fin de cette vidéo.